Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté et à qui le webtendez nous sous TV La Caille. Nous profitons d'un grand merci avec chaque grand ami qui toujours supporte TV La Caille, qui toujours aide nous commenter, partager sur tout groupe WhatsApp, Facebook, sur Instagram, sur tout réseau social net. Merci pour si bon nous. N'a pas entré en actualité, c'est révocation DG et PNH, Normile Rameau, qui pas fait partie de tête institution ça encore dans on a parlé à côté il remplacé par Léon Charles qui était dans tête la police déjà en 2004 et qui t'a venu remplacer là encore c'est Mario André Sol qui est venu remplacer citoyen ça et ben Jodian qui vini dans tête police là dans un état très très difficile côté insécurité à lui-même continuer à rivaliser terrain dans tête d'Haïti. Pour plus de détails, on entend des informations qui Jean ça y est et qui n'y a rapport avec révocation Normile Rameau dans la tête la police. La nouvelle, c'est que police nationale d'Haïti est un nouveau commandant en chef, Léon Charles. C'est lui-même qui est nouveau au directeur général de la PNH, lui remplacé Rameau Normile. Léon Charles qui était dirigé la police nationale d'Haïti de mars 2004 à septembre 2005. Donc, il revient aux commandes. Alors que l'insécurité a fait rage dans le pays d'Haïti, il faut dire que décision li prend le 12 novembre 2020, parce que même il a arrêté à même là, publié dans le journal officiel Le Moniteur le vendredi 13 novembre 2020. Eh bien, nous prenons les commentaires. Information ça et avec l'autre sous plan et politique et surtout avec un ancien premier ministre, j'ai nommé Evans Paul, un dirigeant et politique, monsieur Paul qui est en ligne. Evans Paul, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, bonsoir, madame Marie-Lucie Bonhomme-Opon, bonjour, bonsoir à tout le monde qui branche tout partout, Captain B. C'est avec plaisir me répondre à l'invitation une fois en plus pour nous brasser l'idée sur la situation PIA qui malheureusement extrêmement difficile. Ok, extrêmement difficile. Dans un moment extrêmement difficile, ça, et président Jovenel Moïse est décidé de changer. Décider changer et directeur et général la police nationale Rameau Normile et qui fait place à ou ancien DG institution en policière là Léon Charles qui revient aux commandes de la PNH. Question en simple, soit pensée de changement ça. Pour le bagage, m'a salué passage Normile Rameau, qui était un policier remarquable, qui était fait un bon travail dans la tête de CPJ, mais qui depuis l'arrivé dans la tête de PNH là, confronté à une difficulté, il était même attaqué personnellement, il était manqué tout le dans le bureau, il a assassiné papa, il fait face à un bon mouvement de contestation en dans même police nationale là qui pond trois syndicats des l'autre SPNH fantôme 509 là elle prend la rue nous connaît qui dégale fait un troisième qui relait Sinapoa. Alors son contexte difficile, c'est la première fois moi policier a contesté inspection générale, il a fait des ordres là dans lui, il a contesté directeur général mandé le pour démissionner. Alors c'était un moment extrêmement difficile pour M. Rameau. Il était même, on l'a joué en reproche publique de Premier ministre Joseph Joute. Alors, la tâche n'était pas facile pour M. Rameau. Ça n'a pas empêché que ce sont des gens qui étaient respectables, qui étaient intégrés. Mais il est clair qu'au niveau des résultats, ni autorité, ni population, pas satisfait. Il est clair et c'est ça nous vivons. Mm-hmm. Cependant, pendant ma salue à du nouveau directeur de la police nationale qui était là déjà,
Pardon? Léon Charles. Oui, Léon Charles. Léon Charles, bon, on a dit ambassadeur Léon Charles parce que monsieur qui est ambassadeur, même s'il n'a pas passé devant le Sénat, mais ça a été gagné comme un représentant d'Haïti à l'OEA. Alors, Léon Charles, c'est un monde d'expérience. Il était dans l'armée d'Haïti. Donc, il était arrivé dans le lieutenant de l'armée d'Haïti. Il était là, il était le directeur de la police nationale en 2004. Monsieur est en charge de la marine. Et ça a étonné tout le monde pour prendre un monde qui est dans la marine, pour mettre le directeur de la police nationale. Tout le monde a demandé est-ce que monsieur est capable de faire ce job-là. Mais il est clair que Léon Charles, c'est un passage remarquable dans un moment extrêmement difficile. Pas oublier, dans le contexte de 2004, là, nous avons une opération Bagdad. Et monsieur Charles fait face à une situation ça qui est extrêmement grave pour le pays. Alors, son monde d'expérience, qui a plus de formation, comme militaire, comme policier, comme diplomate, et il n'est pas jamais tombé dans aucun scandale. Ça m'a souhaité lui, c'est bonne chance. Mais au-delà de la nomination de M. Léon Charles, il faut faire très attention pour ne pas penser que le problème de sécurité, la police seulement capable de résoudre. Et la police aussi, la police fondamentalement, mais n'a fait face à sa réunion implosion sociale. Côté question police là, n'est pas capable de résoudre question de sécurité à Pakachita uniquement sous tôt la police. Gagner, l'autre jour, vous expliquez qu'il y a 5 étapes dans la question de sécurité. Monsieur Paul, ma foi, au Tikampo, parce que un directeur général de la police qui est parti là, il souhaite passer environ 1 an, 3 mois, comme ça, nous pas qu'à juste quelques secondes, non? Et pour nous dire, bon, voilà, il n'y a pas de café travail. Mais ma vie comprendre, je suppose, Mounio, et nous t'aiguons à faire à deux, Normil et Rameau. Ou directeur de CPJ, qui ont bon état de service, tout le monde a félicité, les revenants et tête la police, là, les carrément tétanisés. C'est ça le délire. Tout le monde reconnaît échec. Mais au-delà de tout mouvement qui a traversé et police, là, est-ce qu'on ne peut pas interroger sous leadership Rameau Normil, tout ça qu'expliquer, ça dit où qu'on empêtre, mais on va essayer fond bagay. Ben nous-mêmes nous pas consulté essayer ou pas. Bon, t'es essayé parce que il lancé plusieurs opérations, mais j'en t'ai dit pas gain résultat. On essayer et comprendre pour qui ça alors que nouvelle personnalité qui n'en tête police ça. Et puis après nous va parler de Léon Charles pour nous voir qui ça captonne. Eh bien, il y a un chef, quelle que soit bonne volonté, quelle que soit formation, pas capable, efficace, si structure faible, si institution dysfonctionnelle. Parce que moi-même, ça m'a assisté depuis quelques temps, il y a une police qui est indémandable. Il y a la police qui a fait des ordres dans la rue, ou il y a un policier qui a le boulet stand, ou il y a un policier qui a attaqué local avocat, parce que l'avocat est dans l'opinion, il n'est pas d'accord. Ou bien des groupes de monde qui disent policiers, chaque fois prend la rue, tout le monde sait qu'on entre la caillou. Alors, gros problème dans la police, là, ça veut dire que automatiquement, quoi n'est pas unifié, pas capable de gagner commandement. C'est ça que je dis là. Et où nous voyons ça qui passe avec Domil Rameau, nous connaissons ça, Léon Chalvaux, mais enfin, nous faisons très attention. Contexte a changé, un contexte de fronde. M'a demandé est-ce que tu as une unité de commandement, est-ce qu'on parle d'une situation côté chaque monde attend un directeur de la police et je peux plus place lui, est-ce qu'il veut une collaboration ensemble de monde qui doit aider le fait travail là, parce que un chef c'est un chef, mais les chefs s'il y a une structure qui répond, s'il y a un levier dans main l'aile passer commandement et monde a fait travail. Maintenant question caractère, question leadership cala dans tout. C'est justement ça que j'ai essayé de développer là. Il faut faire très attention pour ne pas croire que le monde a lui-même seul qui est capable de changer la situation. Si pas une prédisposition, si pas un mode d'organisation, si que pouvoir dans sa globalité
pas embrasser question sécurité dans toute dimension, c'est que société à tout pas entrer dans bagaille là pour pas seulement attendre son policier qui pour aider résoudre question à lui-même seul, parce que là question sécurité a venu aucun problème de société.